Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Je me suis dit que j'allais essayer de varier mon contenu. C'est un peu spécial, mais ma meilleure amie et modératrice, pour ceux qui me suivent sur Twitch, m'a proposé de faire le montage de certaines vidéos. Cette vidéo elle sera montée par elle et toutes les vidéos en dehors de Fly et League of Legends seront montées par elle, je pense. Voilà, donc j'ai trouvé un jeu, enfin elle m'a envoyé un jeu Roblox d'horreur et apparemment c'est pépite et en même temps c'est drôle, donc on va le tester ensemble. C'est parti, on va faire tout seul parce que nous on est des bonhommes. Ben voilà, ok, c'est la première personne. Entrer dans la laverie automatique, d'accord. Dites à votre collègue que leur quart de travail est terminé. Je vais fermer la porte. C'est lui ? Hey, ton quart d'heure de travail est terminé. Tu dois être le nouveau travailleur ici, non ? Oui, c'est moi. C'est moi. Cool. Oh, tu casses la démarche, Bobby. Ok, il part. Alors, on a une lampe torche. Il part ? Comme ça, là ? Ok, il part. Allez à l'arrière et le temps pour le travail. J'ai pas compris. Fin secrète, d'accord. Temps 1. Ah. Vérifier l'une des étagères derrière le comptoir. Il devrait avoir quelques piles de vêtements. Oui. Mettez les vêtements dans les machines à laver marquées. Ok. Oh putain, je me suis pris la porte dans la gueule. Ah. Joueur pro de Roblox. Hop. Ok. Il y a la police ? Ouais, il y a la police. Non, mais je vous jure, c'était qu'un bonbon. Oula. Pourquoi y a-t-il un officier ici ? Je devrais lui parler. Bah déjà, s'il vient, c'est pour me parler, je suppose. Y a-t-il un problème, officier ? Écoutez, je suis un détective et j'ai été chargé d'escorter tous les civils dans la région en raison d'un récent cas de perturbation. Vous ne saurez rien à ce sujet, n'est-ce pas ? Non, je suis nouveau ici. Est-ce que cela signifie que je devrais partir? Vous pouvez rester ici, mais sachez que des personnes ont disparu anonymement. D'accord, je le fais. Si vous voyez quelque chose, appelez l'opérateur local. Je vais patrouiller dans la région. D'accord. Donc nous, il nous dit... Alors, il y a ici, précisément, il y a des gens qui ont disparu. Tu devrais partir. Non, je vais rester. C'est fou, hein, ces gens qui me ferment pas la porte derrière eux. Oh! Continue ma petite patrouille. Ah! Je suis une employée très sale. Vous me faites peur, monsieur. C'est l'heure de l'inspection. Ah, c'est mon manager, ok. Savez-vous qui je suis? Je suis le manager de cet endroit, n'est-ce pas? Oui, vous devez être nouveau ici. Oui, je le suis. De toute façon, continuez. Je vais inspecter l'endroit. Assurez-vous que tout va bien. J'ai pas le temps de lire. Bon, bah, je suis intelligent. Mais je suis censé faire quoi? Je tiens là, ici. Ah, c'est ici l'opérateur. Ok. Activer, désactiver. Ah, génial. Elle est rassurante, la musique, en plus. L'endroit est le même que d'habitude. Si vous avez besoin de moi pour quelque chose, vous savez me contacter. Non, mais bon. On va dire que oui. Il va pas fermer la porte? Oui, bah je te la ferme pour toi parce que vous êtes tous des petits cons là. Bon. Ah, oula. Pas rassurant. On va fermer. Ici, je suis à mon poste, les gars. Wesh. Salut. Hé, j'arrive pour faire un lavage rapide. Ici, prends l'argent. Ça devrait être rapide. Mettez l'argent dans la caisse enregistreuse, ok. Pas très poli, la madame. Hein. J'ai cru elle repartait dans la forêt, j'allais dire, bah, meuf. Roule un peu bizarrement, madame. La poubelle doit être retirée. Donc je dois prendre la poubelle. Ah! Et c'est à ce moment-là que je vais voir le méchant de ce jeu.
Ah, il y en a encore, merde. Hop. On referme, bien sûr. Oh oui. J'ai même pas eu le temps de lire, du coup. Merci, mais j'ai déjà été informée. Vous avez beaucoup de nerfs pour être ici, alors. Je travaille, frère. Moi, j'ai envie d'être payé. Putain. Est-ce que c'est toi qui paye mes factures? C'est bizarre, mec. Non, mais où? Pourquoi c'était ouvert? Ah oui. Bah oui, j'ai dû sortir. Ok. Remplacer le panier principal par l'ancien panier à l'arrière. Ok. Hé hey mec, je dois laver mes vêtements ce soir. Bah lave. Cet endroit est-il encore ouvert? Non, c'est y a pas du tout ok. Vous avez voulu le parner à l'extérieur? Ah oui, ma faute a dû me traverser l'esprit. Je suppose que je vais faire ce que je dois faire. Ne faites pas attention à moi. Eh bah si, je vais te regarder. Oh putain, tu casses la démarche. Hein. Il y a vraiment écrit 24h24, il y a quelqu'un au guichet, mais ouais. Non, je... C'est pas ouvert. Prenez une bouteille d'eau de Javel à l'arrière et versez-en dans les machines. Non, j'ai pas envie de le quitter des yeux, le frérot. Je te vois, Bobby. Je te vois. Alors, combien cela coûtera-t-il? 4 par chargement. Le lavage en profondeur sera double. On dit qu'il y a un meurtrier vivant dans cette petite ville et ciblant cette zone. J'espère vraiment que cette situation sera bientôt résolue. S'ils étaient toi, je partirais. Les gens disent que cet endroit est hanté par les gens qui l'ont tué. Et je les crois sans aucun doute. Avez-vous vu à quoi le tueur pouvait ressembler? Non, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je déménage temporairement. Eh bien, je devrais être capable de gérer. Bonne chance ici. C'est le moment où les gens sont généralement portés disparus. Tout ce que je sais, c'est que je sors d'ici d'après ça. Ok. Attendez, je vais le voir rouler. C'est trop drôle comment il roule. La musique, elle est pas rassurante, mais j'aime pas le calme non plus. Ok. Wesh. En fait, je l'ai vu avant qu'il y ait le petit screamer. Mais je m'y attendais pas du coup. Ils ont des voitures. Oula. Et je n'essaie pas de me laver, mais j'ai besoin de quelque chose. Vous vendez des produits ici? Ça dépend de ce que vous voulez. J'ai besoin d'un adoucisseur et d'une boîte à savon. Je pense que je vais jeter un coup d'œil. Apporter les articles délivrés aux clients. Ok. Est-ce que je peux prendre les deux? Oui. Et voilà. Merci, je t'en dois une. Oui, bah paye. Ce sera 10 euros au total. Tiens, enfin, c'est 10 dollars, mais... Si on est français! Mais wesh! Qu'est-ce que... What? Un peu buggé ton streamer, frère. J'ai dit streamer ou streamer, je sais plus maintenant. Encore? Ou c'est deux personnes avec la même voiture, c'est possible. Il est bizarre, lui, hein. Ok, non, c'est une madame. Je pense que j'ai laissé des vêtements ici. Pouvez-vous vérifier s'ils sont ici? Tu sais que tu n'es pas censé laisser des vêtements ici, non? Bien sûr, c'est pour ça que je suis ici. Pouvez-vous vérifier s'ils sont ici? Je suis un peu pressée. Où aller? Dois-je vraiment répondre à ça? Je demande juste. Chercher les vêtements perdus et donner-les au client. Bah. Comment je suis censée faire? Ah, c'est... Ah! Ah! Ce ne sont pas mes vêtements.
Oh, bien... Ah. Bien, au moins ce n'était qu'un couple. Je suppose que je vais devoir en acheter nouveau. Merci quand même. Bah, laisse pas tes vêtements ici, frère. Inspectez à l'extérieur si vous voyez quelque chose se passe. Putain! Il a spawn en mode coucou! Pourquoi il y a... C'est le policier, hein. Ouais. Monsieur, vous devez rester en dehors de cette zone. Personne n'est autorisé ici, cet endroit est interdit. Je travaille à la laverie ici, on m'a dit que je pouvais rester ici. Vous êtes alerté de quelque chose, vous appelez les flics immédiatement. N'hésitez pas. Retourne à la laverie, ok. J'ai laissé la porte ouverte. Merde. Il a une tache de sang sur lui, là. Mais d'accord. Ne t'inquiète pas, je vérifie juste. C'est bien, prends ton temps, nous sommes toujours ouverts ici. Oui, je suis un peu pressée ici, alors. Prenez votre temps, monsieur. C'est long. Je dois aller lui parler? Non, mais même pas en rêve, je l'approche! Mais... Non? Enfin... Bon. Qu'y a-t-il? Désolée, je sais que je devrais m'occuper de mes propres affaires, mais... Qu'est-ce que tout ce truc rouge sur votre chemise? Oh, ça, ne t'inquiète pas, c'est n'était qu'un accident, j'ai eu un truc sur mes vêtements. C'est pourquoi je suis ici en premier lieu. Ça sent assez mauvais, êtes-vous sûr que ce n'est pas autre chose? De quoi tu parles? Ne vois-tu pas que j'essaie de laver mes vêtements? Occupez-vous de vos propres affaires. Les pains sont payés, là? Hmm? Maman, c'est... Merci, hein! À la prochaine, hein! Moi, je vais fermer la porte, parce que comme d'hab... Comme d'hab, ils ne savent pas fermer une fucking porte. Je suis pure, j'ai cru qu'elle était à moitié à poil. Je cherche quelqu'un. Avez-vous quelqu'un ici récemment qui portait une chemise verte? Non, désolé, je ne l'ai pas. Mais c'est... Le mec que j'ai à chaque fois pour le screamer, là, il a pas un haut vert? Je sais plus. J'ai déjà oublié. Par contre, là... Ouais, j'avais pas remarqué, la musique, elle s'est enlevée. Enfin, la musique. L'ambiance encore plus creepy. Putain, mais c'est dingue. Oui, là, il a une chemise verte, c'est vert. Soit c'est quelqu'un qui s'est fait tuer par le tueur, ça c'est le tueur. Parce qu'il a les mains ensanglantées. Ça ressemblait à un cri d'un magasin à proximité. Ok. Appelez le détective. Il pourrait avoir une autre main dans la région. Hé hey, j'ai entendu un cri qui sonnait à proximité. Restez où vous êtes, j'arrive. D'accord, je ne bouge pas, je regarde le sol. Roule plus vite, wesh. Ah oui, c'est le même. D'où avez-vous entendu le cri? Ça sonnait comme si ça venait d'un magasin de l'autre côté de la rue. D'accord, comme j'ai dit, reste ici. Je reviendrai. Ok. C'est pas très rassurant, hein, si tu veux mon avis. Oh. Wesh. Ça ressemblait à un coup de feu. Enquête pour essayer de trouver où il est venu. Oh non. Oh non! Bobby, le détective, il est mort! Le détective a été poignardé à mort, mais il a eu le temps de tirer. Dépêchez-vous de retrouver dans la... Je le garde dans la main, je m'en fous. Putain, j'ai 6 chances en plus, ça se peut, je vais le louper. On a vu mon talent sur Valo, hein. C'est long! Wesh! L'alimentation a été coupée, je vais pouvoir... Oh putain... J'arrive pas à sortir! Oh merde! Bah. Oh merde! J'arrive pas à sortir! Ah! Wesh! Ah! Ah, mais j'arrive pas à sortir! Ok, il est parti.
Mais je peux toujours pas sortir en fait pour l'alimentation. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais sa mère la cacahuète hein. Ah putain mais il va me buter. Mais je sais pas viser ou quoi, c'est impossible. Oula. Ok. Ma voiture s'est enfuie et moi je vais mourir. Trouvez la voiture du détective et sortez d'ici. Ok, tu me le fais pas dire deux fois. Au cas où, on garde le pistolet, bien sûr. Et là, il est dedans. Vous vous êtes échappé. Ok, plusieurs fins. Après que tu te sois échappé, t'as regardé les nouvelles pour voir si le killer avait été trouvé. Mais apparemment, il n'a pas été pris. Et ils doivent toujours chercher. Putain de merde. C'est tout? D'accord, putain, ça a duré quand même 30 minutes. Bon bah du coup, je vais m'arrêter là. Si vous avez des suggestions de jeux comme ça sur Roblox, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une bonne journée et prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt. Bye bye!